Mon groupe de Tekien est presque au complet. Beau travail. Bientôt, nous n'aurons plus qu'à attendre que les lignes cosmiques se mettent en place. Puis nous pourrons exorciser le ver de Savatoun et récupérer Osiris. Elle partage plus de choses avec vous que moi, gardien. Mais il peut être difficile de séparer les mots empoisonnés de ses paroles mielleuses. Je crains que le corbeau ne soit susceptible. Je ressens un besoin d'approbation en lui. Uldren avait le même. Il idolâtrait Osiris. Autant qu'il vous idolâtre, vous, n'oubliez pas ce qui vous a été demandé. D'ici la fin du rituel, continuez à suivre le chemin des lignes cosmiques. Ma dernière Tekienne perdue est bientôt de retour parmi nous. Xivu Arras doit être terrifiée à l'idée de ce que pourrait dire Savatoun. Elle n'est pas la seule. Je ressens la même peur en vous. Cela peut sembler étrange, mais nous nous retrouvons peut-être dans une situation qui nous est bénéfique. Comment ça? Les Tekiennes sont dispersées et la Cité des Rêves est sur le point d'être envahie. Oui, mais nous avons choisi les conditions du combat. Avec Savatoun comme appât, Xivu Arras doit venir nous chercher sur notre terrain. Observez les moissonneurs pour libérer les terres au bon moment. Renvoyons ces infâmes chez eux les mains vides. Les infâmes sont brisés. Et tout cet éther est perdu. Mieux vaut perdre l'éther que le puits aveugle. Bon travail, gardien. Reine Mara, si votre rituel se déroule comme prévu, qu'arrivera-t-il à Savatoun? Sans son verre, elle n'aura plus de pouvoir. Et si c'était une occasion gâchée? Elle pourrait nous fournir tant d'informations. Nous fournir? Ou vous fournir? Déposez les essences corrompues pour fermer leurs failles et stabiliser la zone. Nous refermons les failles corrompues et les lignes cosmiques se stabilisent. Mais tant que le groupe de la Reine Mara ne sera pas réuni, nous ne ferons que colmater les fuites. Le puits aveugle va être attaqué. Protégez la boussole et préparez-vous à vous défendre. Chaque fois que je reviens à la Cité des Rêves, j'ai l'impression de ne jamais l'avoir quittée. Peut-être que quelque chose ici vous appelle. Quelque chose de plus profond que l'identité, de plus profond que la mémoire. Les gardiens laissent leur passé derrière eux par nécessité. Et par choix. Nous ne pouvons être qu'une seule personne à la fois. De mon côté, je crois que l'identité peut changer, mais que la personne derrière, elle, reste la même. La personne que j'étais s'y sentait chez elle. Mais je ne suis plus lui. La tour est mon foyer désormais. Votre intrusion derrière le voile vous rapproche de la victoire. De la mienne et de la vôtre. Vous progressez bien. Je crois qu'il y a une autre balise un peu plus loin. Je détecte l'alignement d'une balise. Mais des ennemis approchent de votre position. Je
Je n'ai jamais vu les corrompus, les infâmes et la ruche se coordonner comme ça. C'est inquiétant. Je détecte l'alignement d'une balise. Mais des ennemis approchent de votre position. Dernière balise alignée. Soyez prêts à tout. C'est terminé. Les balises sont alignées et la faille est ouverte. Ramenons nos Tekken à la maison. Encore une victoire. C'est bon de savoir qu'on me fait confiance pour livrer les combats des éveillés, mais pas pour prendre mes propres décisions. Pourquoi vous faire du mal comme cela? Pas du tout. Je veux juste parler à Savathun. J'ai des questions. On me doit des réponses. Elle n'est que mensonge. Elle ne fera que vous blesser et elle n'aura aucun regret. Je n'aime pas que des gens que je connais à peine me disent ce qui est bon ou mauvais pour moi. Vous avez été bonne envers moi. Je vous croyais mon ami. Ne le suis-je pas? Vous m'avez menti! Je vous ai aidé à écarter Xivoaras de la côte. Je vous ai amené à la dernière cité, offert mes conseils. Stop! Si tel est votre souhait. Je veux la vérité. J'ai été gentille parce que je le voulais. Et que la vérité fait mal. Vous le savez mieux que quiconque. En vous détournant des rumeurs sur l'homme que vous étiez... Je ne suis pas lui. Comment pouvez-vous dire ça, sans même savoir qui il est? Si vous voulez vraiment la vérité, posez donc la main sur moi. Corbeau, non. S'il vous plaît. Voyez... Même votre spectre vous préfère ignorant. Tout ce que j'ai fait. Corbeau, non. N'approche pas plus. Qu'est-ce que vous lui avez montré? Il a tout vu. Vous l'avez blessé. Il le fallait. Et mieux valait que ça vienne d'une amie. Ne me regardez pas comme ça. Je vous l'ai dit. Vous n'empêcherez pas l'inévitable. Au fond, le corbeau voulait savoir. Il allait découvrir la vérité, d'une façon ou d'une autre. Même si c'est à bout. Vous devriez me remercier. Imaginez s'il était venu voir quelqu'un de moins bien intentionné. Quelqu'un qui aurait déformé la vérité sur sa mort pour le retourner contre vous. Contre le voyageur. Mais je n'aurais jamais fait une chose pareille. Je me reconnais trop en lui. Nous cherchions tous deux notre but. Maintenant que le corbeau a trouvé sa voie en tant que gardien, il peut voir ce dont il s'agit vraiment. Une deuxième chance. Pensez-y. Si les gens ne voulaient pas qu'il sache, était-ce pour protéger le corbeau de lui-même? Ou était-ce pour se protéger eux du corbeau? J'apprécie nos conversations. Eldraine Soph, prince des éveillés, frère de la reine. Meurtrier. Je
sais désormais qui j'étais. Et vous ? Vous ? Je suis désolé. Vous avez fait ce que vous deviez. Je pense que je n'aurais rien dit non plus. Les visions de Savatoun étaient comme un rêve éveillé. Je sentais la chaleur des flammes, le goût du sang. J'ai vu tout ce qu'il a vu, avec ses yeux. Vous avez peur de qui j'étais, peur qu'il revienne. Moi aussi. J'ai donc demandé à Ikora de me confier une autre mission. Là où je saurai que les choix que je fais viennent de moi. Dites à Mara, dites-lui ce que vous voulez. Je vous retrouverai quand je serai prêt. Ikora, je dois partir d'ici. Que s'est-il passé ? Je ne veux pas en parler. Je veux partir maintenant. Soit vous m'envoyez sur autre chose, soit j'arrête. Vous arrêtez ? Avec vous, avec l'avant-garde. J'arrête tout. Corbeau, vous avez tout mon soutien. Si vous voulez changer de mission, je peux le faire. Mais peut-être que vous devriez d'abord réfléchir. Si j'arrête de bouger maintenant, je crois que je vais m'effondrer. Je dois continuer à avancer, mais je ne peux pas le faire ici. Je dois être aussi loin d'elle que possible. Est-ce que vous voudriez travailler avec quelqu'un que vous connaissez ? Qui ça ? Il me faut un agent pour jouer les intermédiaires avec l'impératrice Kayaton. C'est une grosse responsabilité. On pourrait peut-être se voir pour en parler. Je serai bientôt à la tour.